salut à tout le monde quand même. Voilà, j'aimerais dire, je donne suite à tout le monde là. Oui, j'ai retrouvé le monsieur là qui a dit au département 54, voilà, c'est dans l'Est. C'est ce monsieur là qui disait qu'il avait raison de mettre, de pas laisser les objets que vous remontez. Vous savez, de la pêche à l'aimant dans votre coin, département de toute la France, de laisser ça au bord de la berge. L'amende, c'est de 1 500 €. Voilà. Alors, moi, vous savez, je suis dans la Somme. Département de la Somme. Là, vous devez le voir parce que si vous allez voir mes vidéos sur YouTube, quoi, vous verrez que j'ai mis pas mal de vidéos. C'est comme le monsieur qui m'a envoyé un message du Saint-Quentin, il ne comprend pas ce que je dis. Bon. Moi, maintenant, j'aimerais dire, c'est simple, là, je vais dire clair et net. Les enfants, il ne faut pas qu'ils pêchent. Vous savez, même s'ils sont avec quelqu'un, ne les filmez pas. Ne faites pas montrer ça sur YouTube. Parce que c'est pas bon. Parce que je sais qu'il y a des retours du bâton là-dessus actuellement. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais qu'on me donne un petit coup de main avant que je mette en route à la pêche à aimant. Je vais vous le dire. Parce que, vous savez, Madame Nguyen de la préfète de la Somme, Muriel Nguyen, elle a mis une loi déjà depuis un an et demi. Là, on est embêté dans la Somme, malheureusement. Et puis là, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement parce que des bons, on n'en trouve pas comme ça. Hein. C'est pas possible. Hein. On n'en trouve pas comme ça dans l'eau, hein. Avec tout ce qui a été dragué après les guerres, et puis tout ça, deux fois même. Là, maintenant, ce qu'on trouve, c'est récent, c'est des trottinettes et tout ça. Je ne vais pas répéter tout ça, hein, tout ce qui est pollution. Hein. Et là, maintenant, j'aimerais demander à tout le monde, écoutez, moi, j'ai écrit au président de la République, M. Emmanuel Macron, et il n'a pas l'air de me répondre actuellement, on dirait. J'ai appelé, voilà. Ils disent qu'il n'y a que moi qui me plains. Ah, il n'y a que moi qui me plains, qu'on m'a dit. Enfin, au téléphone. Hein. Alors, j'ai dit, ah bon? Alors, s'il vous plaît, vous savez, c'est gratuit. Un recommandé, accusé de récession, c'est gratuit. C'est gratuit pour le président de la République. Écrivez. Vous dites, Luc de la Somme, il veut créer une association. Voilà, il veut créer ça. Alors, aidez-le. Je sais pas, vous avez un courrier, tout simple, trois lignes, puis vous l'envoyez en recommandé, mais vous ne payez pas. Attendez, il faut que je regarde quelque chose, 30 secondes. Voilà. Non, c'est parce qu'il y avait un truc là qui n'allait pas. Vous savez, c'est gratuit ces trucs-là pour écrire au président de la République. Surtout en recommandé, c'est gratuit. Vous ne payez pas la poste. Parce que j'ai besoin de tout le monde actuellement qu'on me soutienne. Vous savez, vous écrivez un mot. Vous dites Luc de la Somme. Il veut créer une association, on l'empêche, pour dépolluer, vous savez, dépolluer le département de la Somme, ou tout ça. Alors moi je suis embêté parce que Nguyen, Muriel Nguyen, la préfète de la Somme, elle fait le soir, vous savez, elle ne comprend pas. Alors tandis que là on serait que 5, 6, 8 personnes retraitées à dépolluer la Somme, comme ça, enlever, parce que des bons, on n'en trouve pas, il faut arrêter là. Moi, je dis qu'il faut arrêter. Même si demain, on en trouve une. Vous savez, on s'y connaît. On est adultes, nous. On n'est pas des gosses. Bon, enfin, bon, voilà. Et je sais pas, vous écrivez, Monsieur le Président de la République, aux Champs-Élysées, Emmanuel Macron, ça va arriver, en lettre commandée, qui me donne qui ouvre le dossier pour moi, qui me donne un coup de main pour créer ma association, c'est-à-dire... qui me l'accepte, vous savez, qui me l'accepte, voilà, qui me l'accepte, et puis comme ça, bon ben, on peut dépolluer un peu, enlever les grosses choses, parce que quand il pleut fort, il y a des inondations,
les branches se tapent dans les scooters et les grosses branches, tout ça. Et après, ça déborde. Vous comprenez, tout le monde? Ça déborde. Parce que de l'autre côté, on ne comprend pas, la préfète ne comprend pas de ce côté-là. Ils comprennent de l'autre sens, mais pas de l'autre côté. Le bien dépollué, parce que l'eau, on le boit, l'eau. Hein, on boit du gasoil, on boit de l'essence, là. Tout est dedans. Trottinettes, les batteries, les poissons, ils sont morts, tout ça. Et je crie au secours. Au secours que je crie. Aidez-moi. Vous écrivez au président de la République pour l'association de monsieur Luc, vous mettez Jean-Luc si vous voulez, tout court. Et puis voilà quoi. Mais il faut me donner un coup de main. Voilà. Alors ça serait gentil de votre part à tout le monde quoi. Voilà. Là j'ai fait des vidéos, il y a des personnes qui passent et ils me regardent. Et, bon, il y a 4 personnes qui sont là, bonjour. Ils écoutent, et ils font ça avec le doigt. Ils font ça, c'est bien. Oui. Et puis voilà quoi. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, là, actuellement, je vais vous faire voir ce que je vais pêcher. Là, j'ai déjà remonté, bon, pas ça, pas le siège, j'ai déjà remonté 2-3 barres, j'ai essayé pour voir. Vous voyez, c'est un truc, il est récent, il y a déjà plein de trucs dedans. Vous voyez, là je vais pêcher là, après, il y a une rivière encore ici, tout ça, et je vais voir, j'ai pas encore regardé trop, bon ben je m'en vais essayer de filmer en même temps que je vais pêcher quoi, voilà quoi, bon attendez, je regarde, oh oui, il y a des trucs là-bas, bon ben je vais y aller après, je vais y aller, bon s'il vous plaît, aidez-moi s'il vous plaît, bon, je reviendrai tout à l'heure quand j'aurai du gros objet. Voilà quoi, et je vais laisser encore un petit peu brancher là pour vous voyez ce que je fais là actuellement. Vous voyez, j'ai posé ma caméra. Voilà. Puis là, je vais lancer là pour vous faire voir un peu. Vous faire voir. Alors, hop, et pourquoi ça s'est arrêté? Voilà, ça continue. Voilà, la vidéo continue. Voilà, pas trop bas. Bon, ben on va remettre nos gants, puis on va continuer. Mais s'il vous plaît, je crie au secours, vous voyez, encore. Parce que là, il n'y a pas longtemps, j'ai pêché au grappin dans la Somme. Les gendarmes sont venus me voir, ouais, écoutez, hein. Ils étaient agressifs. Un peu mal polis, parce que quand on répond, j'ai une tête de cochon, je veux dire, c'est pas, ça fait pas plaisir, vous comprenez? Alors, au grappin, il n'y a pas de loi là-dessus. Il n'y a pas de loi dans la Somme au grappin. Alors, allez. Et puis là, mon aimant, il fait à tout casser 370 kilos. Voilà. Hein, y en a qui achètent des aimants d'une tonne. Arrêtez, il ne faut pas faire ça. À cause de tout ça, tout à l'heure, même en France, vous n'aurez plus le droit de rien. Ah. Alors, on va essayer d'enlever un peu. Là. Allez, c'est parti. Oh. Et voilà, c'est parti. Allez, on y va, parce que là, je sais qu'il y a des trucs costauds, là, par ici, là, parce que ça colle, mais on a du mal à le sortir. Voilà. On va remonter. Voilà. On va essayer d'avoir des choses. Après, on va essayer un peu plus loin. Voilà. Ouais. Et là-bas, je sais qu'il y a un gros truc, là-bas. Parce qu'il faut lancer puis tamponner, vous savez, tamponner pour dire j'attends qu'il trouve quelque chose. Quoi. Voilà. Puis après, ben, vous montez. Et puis voilà quoi. Voilà. C'est bien. On va relancer là-bas. Je sais qu'il y a quelque chose là-bas. C'est quoi? Voilà. On va un peu là. Là, on reprend un peu parce qu'on n'est plus trop confiné. Alors, c'est pour ça, quoi. Vous voyez, là, c'est costaud, là. Là. On va sortir tout doucement. Voilà. Là, je crois que j'ai quelque chose. Je sais pas si c'est... On dirait encore une barre de fer. Comme celle-là. Voilà. Ah, ben oui. Ouais. Ouais, vous voyez.
Ah non! Eh, vous rigolez! Attendez, je vais vous faire voir. Eh, mais merde! Il n'est pas tellement vieux celui-là! Regardez! Un pied de biche! Un pied de biche, eh! Il a rien! Il a rien! Il a rien du tout! C'est imaginable! Il a l'air costaud! Hein. Il est costaud, hein! Bon, on va le mettre de l'autre côté. Hein? C'est un peu normal. Voilà. On va le mettre là. Puis voilà quoi. Tout à l'heure, j'ai remonté des pièces tout à l'heure. Ouais, deux, trois pièces, mais bon. Vous savez, l'euro, au bout d'un an, il est mort. Les pièces en euros, hein. Vous voyez, ils sont morts. Alors, ils sont carrément morts. Voilà. Allez, on y va. Allez, on va encore essayer d'attraper le sol parce que je vois qu'il y a pas de sol dedans. Hop, pourtant ça a été fait il y a pas longtemps ici. Hein. Ça a été fait, je veux dire, reconstruit quoi. Oh là 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 là. Après, il faudra que j'aille au bord de la berge. Ah, il y a des pêcheurs là-bas. On va y revoir en fait. Allez, comme je suis tout seul, je suis tout seul. Alors, j'ai pas besoin de max. Quand il y a un masque, je leur dis, messieurs, mettez-vous 5 mètres en arrière. 5-6 mètres, quoi, je leur dis. N'approchez pas. Voilà. Voilà, puis c'est tout, quoi. Puis ça se passe bien. Les gens, ils comprennent, hein. Ils sont même gentils, hein. Ils sont même gentils. Alors, hop, allez. Allez, on y va, bonjour. Ah, je suis en train de filmer en même temps. Un peu, je travaille, hein. Ah, je prends un. Non, il y a la montée une belle, hein. Ah. Pied de biche, je travaille. Oh, je vais aller remonter un pied de biche. Ça a bien servi à quelque chose. Comment? Ça a bien dû servir à quelque chose. Ah ouais. N'approchez pas trop parce que tout à l'heure. Non, je vais vous dire pourquoi. Attendez, je vais arrêter ça. Pour que ça arrête un peu.